monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va regarder les énergies. Bah tiens, c'est 13-13. Bon, allez, on va voir les petits messages, d'accord, que je peux te faire passer. Allez, on y va. Cancer, Lion, Vierge. Bon, alors là, donc pour moi, là, il y a dû avoir. Alors, soit. Non, je dirais pas ça. Moi, je pense plutôt que. Alors, attention. Là, c'est toujours pareil. C'est plus des hommes, des femmes, qui se sont dit comme ça, un coup. Sûr, des fois tu te lèves le matin, hein, voilà, hein, tu décrètes par exemple. Oh, putain, oh bête, oh bête, oh bête. Ce mec ou cette nana, ah ben tiens, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire, c'est ce truc où en plus on me parle que c'est quelque chose qui a dû se déclencher comme ça un matin, tu te réveilles et tu te dis, ah ben tiens, pourquoi pas lui ou pas, hop, oh putain, oh mais je lui avais pas pensé à celui-là ou à celle-là, non parce qu'il y en a des âmes sœurs, etc. C'est tous les jours. Hein. Ah non, mais il y en a, d'un coup, ça va être... je veux dire, il y en a, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que, comme ça, un matin, tu te réveilles et tu te dis, oh putain, je l'avais pas vu celui-là ou celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils changent d'âme sœur tous les jours. C'est-à-dire, oh putain! Parce que là, il y a un truc qui, au niveau des cancers, des lions et des vierges, ce truc où, oh putain, oh alors là, oh lui là, oh elle, oh ben pourquoi j'essayerais pas d'aller vers ce mec ou cette nana. Mais il y en a, c'est, un coup, admettons, ça va être avec le cancer, un coup, c'est avec la vierge, le lion. Mais attention, autant, je vais t'en sortir d'autres, tu vois ce que je veux dire. Et il y en a, voilà. Alors, en plus, ce qui me déplaît, alors on parle aussi d'une saison plutôt douce, tu vois, la chaleur, tout ça. Et qu'il y en a, ils cherchent partout. Partout! Ah, putain. Alors, je vais essayer là, et puis je vais essayer là, et puis je vais... Ah, et puis si, par exemple, avec lui, ça va pas, ou elle, ça... Allez, je vais là, et puis je vais là, et puis je vais là. Le problème de ces personnes qui me déplaît fortement, c'est que... si par exemple il parle si tu veux à déjà quelqu'un mais que ça va pas trop en sous-marin bien un matin il voit un tel, oh putain je l'avais pas capté celui-là ou celle-là, oh ben tel je vais aller lui parler ou lui parler, mais attention si ça se trouve la personne avec qui je te dis, oh putain je vais aller lui parler à lui ou elle, peut-être parle déjà avec quelqu'un. Mais eux, ils s'en carrent, en fait. Ah, ils s'en foutent. Parce que eux, ils cherchent leur âme sœur partout. Mais autant, ils parlent déjà avec quelqu'un d'autre. Puis quelqu'un d'autre, je te dis, je le vois. Bon. Et que ceux-là, ou celle-là, par exemple, alors déjà, rien à foutre. Parce qu'ils vont mentir s'ils parlent déjà à quelqu'un. Mais en plus, si c'est pas ce qu'ils veulent... Comment ils le veulent, ils vont aller piter ailleurs, à droite et à gauche. Ah si je te le dis. Mais attention, si par exemple toi tu parles à quelqu'un, autant on te le souffle, on essaye de te le souffler ou de te la souffler. Tu vois ce que je veux dire? Alors attention, j'ai pas dit que c'est les cancers, les lions, les vierges qui sont comme ça. Ça peut être en face, mais il y en a, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça. C'est pas possible en fait. Tu vois?
vois, ce truc là c'est pas possible, tu vois. Et c'est eux, si tu veux, leur moitié, elle est partout en fait, partout, partout. Tant que on est avec quelqu'un, puis ils s'en foutent hein, de te souffler, le mec ou la nana, rien à foutre, hein. Tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est pas possible en fait, ce genre de truc. Alors, ceux en face, bon, parce que les gens, ils ont un cerveau quand même. Et ils vont commencer à se dire, putain, je me pose des questions quand même. Hein. Ou je dois avouer que je me pose de graves questions. Tu vas réfléchir, tu vas réfléchir, tu vas réfléchir. Parce que si par exemple, tu parlais avec quelqu'un et que bizarrement, on change de comportement avec toi. Ça veut dire qu'en sous-marin, on essaye de te souffler un mec ou une nana. Ma parole sur le bon Dieu. J'en suis convaincu, 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 convaincu. Parce que les gens, ils réfléchissent. Hein, ils réfléchissent et... Mais moi, ce genre de personne, même si, par exemple, tu te poses des questions hein, sur ceux qui picorent partout, qui cherchent partout, je te vois pas, tu vas attendre, voilà, tu vas attendre, je te vois plutôt calme, dans la patience, et tu vas attendre, ah oui, tu vas attendre. Alors on continue et on me dit oui, on te dit attends, alors attention, on continue, je te dis attends, attends, il va arriver d'autres signes. Alors ensuite on a les, alors je t'ai dit les premiers signes, ensuite tu as les capricornes, les verseaux, les poissons, et qu'il y a des mecs et des nanas. Putain, des âmes sœurs, ils en ont, ils en voient partout. Hein. Ah putain. Alors attention, hein. Ce genre de mec ou de nana, ça n'arrête pas. Hein. Et que un jour, tôt ou tard, par exemple toi, si tu n'es pas picoré dans tous les coins, tu vas te dire, putain, tu vas te poser des questions sur un homme ou une femme. Et là, tu vas te dire, putain, c'est bizarre quand même. Hein. Va savoir si tel bonhomme ou cette bonne. Un mec ou une nana, à chaque fois par exemple que, moi je ne sais pas, tu as des vues sur quelqu'un, on n'aurait pas les mêmes vues. Tu vas te poser des questions. C'est tout. Ok? Moi je te le dis. Voilà, tu vas te poser de graves questions parce que il y en a, ils voient des âmes sœurs partout, ok. Bon, après le truc à se poser la question, ces hommes et ces femmes qui sont comme ça, à un moment donné, je sais pas, remettez-vous en question, tu vois, à un moment donné, c'est pas normal, tu vois, c'est pas normal que tu passes du coq à l'âne avec 50 000 personnes, hein. Même si par exemple tu te dis que par exemple c'est long avec quelqu'un, c'est pas pour ça que hop tu dois aller hop en sous-marin aller sauter sur quelqu'un d'autre quoi. Ça va pas ça, d'accord. Moi ça va pas, d'accord. De toute façon on va beaucoup y penser, moi je te le dis, et ça va te travailler, te travailler, te travailler. Et tu vas te poser la question sur une personne, ok, qui n'a pas, qui a pas de patience et qui veut à tout prix être avec quelqu'un. Mais est-ce de l'amour ça? Est-ce que quand on fait ce genre de choses, est-ce que réellement c'est aimer? Non, 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 non. D'accord. Pour moi. Quand tu vois des âmes sœurs de partout, c'est pas de l'amour. Non, c'est pas de l'amour. Non, c'est pas de l'amour, ça. Donc, il y en a, ils aiment tout le monde. Alors, un coup, ils vont aimer, par exemple, des cancers, un coup des lions, un coup des vierges, un coup des capricornes, des verseaux, des poissons. En fait, tant que, allez, tu as une relation au grand jour, etc., c'est bon, quoi, en fait. Mais non, c'est pas ça.
l'amour, c'est pas ça. D'accord? C'est pas ça. Mais moi, je doute des sentiments de certaines personnes, quand même. Hein? Je te le dis. Et le problème, ben, y en a, ben, c'est leur karma, et que... c'est comme ça. Et que ils cherchent tellement à trouver, par exemple, quelqu'un, qu'ils le cherchent partout, quoi. Et non, il y a des choses, non. Moi, ça va pas. Ça va pas. Il y en a, ils voient des âmes sœurs partout. Il y en a, ils voient des flammes jumelles partout. Et non. Ok? Non. Et du coup, ça va pas. Ok? Ça va pas du tout, ça. Non, ça va pas du tout, ça. Ah, ils veulent tellement certains genres, mais c'est pas tout. Hein, c'est pas tout d'être en couple, c'est pas tout le mariage, c'est pas tout le pax. Non. Et que autant tu ne doutes même pas, mais autour de toi, par exemple, moi je ne sais pas, hein, tu vas commencer à te poser des questions. une personne ou des personnes autour de toi, ça c'est sûr. Concernant, en plus là, c'est plutôt envoyeur. Donc, ce qui signifie pour moi, c'est que ce genre d'âme sœur, que ça soit homme ou femme, on va partir. Et là, c'est plus quelque chose où on va envoyer des messages, d'accord, que ça soit à homme ou femme, mais en plus, en secret. Ce qui veut dire que forcément, je te laisse imaginer que autant cette personne qui est comme ça, tu connais. Mais c'est plus la personne qui fait du forcing à des hommes et des femmes. Parce que je vois pas l'autre en face, là, actuellement, répondre. Tu vois? Et ce qui signifierait, c'est que ce genre de personne est prête, est prête à épouser n'importe qui. Tant que on est en couple. Donc, ce qui signifie que ce genre d'hommes et de femmes aiment tout le monde. Et ça va pas. Mais que ça soit homme-femme, c'est ce genre de personne qui fait la démarche en plus d'aller draguer. Et souvent, en plus, en secret. Ce qui signifie que il y a des chances que autant tu connaisses l'homme ou la femme. Tu vois? Et tu vas te poser des questions par rapport à ça. Tout le temps. Et que si jamais, au grand jamais, tu venais à l'apprendre, je pense que ça te ferait énormément de peine. Je pense même autant tu pleures, que tu sois un homme ou une femme. Si jamais tu apprends, je ne sais pas. Quand sous-marin, je te dis, moi j'en suis persuadé. Alors soi-disant, c'est quelqu'un, c'est une âme blessée, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. Faut pas déconner, il y a des choses qui ne se font pas. D'accord. Même si tu es une âme écorchée, machin. Non, il y a des choses qui ne se font pas. Non. Je suis désolé. Il y a des choses, et là, cette personne va attendre là une réponse. Tu vois ce que je veux dire? Qu'un homme ou une femme, peut-être même plusieurs, répondent. Tu vois? Mais est-ce que, par exemple, on a pensé à, parce que moi, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un d'autre, que ce genre de personne qui fait ça, qui drague quelqu'un d'autre, a déjà communication avec quelqu'un. Donc, est-ce que ce genre de personne à penser, par exemple, à la peine que ça pourrait lui faire en retour d'apprendre ça. Non. Tant qu'on a quelqu'un dans sa vie. Donc ça ne gêne absolument pas. Ah oui, c'est des âmes blessées, c'est des âmes écorchées vives. Oui, mais bon, est-ce que ce genre de personne, par
exemple, non, parce que c'est facile, moi je suis un homme écorché, je suis blessé de la vie, j'ai vécu si, mais est-ce que peut-être que l'autre personne en face aussi a eu un mauvais karma. Peut-être c'est quelqu'un qui a aussi souffert dans sa vie sentimentale. Est-ce que ce genre de personne y pense? Non, non. Ah, par contre, ce genre de personne, oh là là, oh là là. Mais est-ce qu'on pense, par exemple, à ces hommes et ces femmes qui ont eux aussi souffert? Non, on n'y pense pas. Pas un seul instant au mal que ça pourrait faire. Non, on s'en fout en fait. Hein? On n'en a rien à foutre. Ah oui, c'est sûr, parce que c'est des gens qui ne pensent qu'à eux et qu'à elles. Ah oui, qu'à leur cheminement de vie, par exemple, très difficile. Ah ben oui, hein, forcément. Mais en face, on pense pas, on se dit pas non, non, non. Hein? Alors, à un moment donné, bon, on va attendre donc ce genre de personnes très centrées sur eux-mêmes. Je pense qu'au niveau, par exemple, de la communication qu'on fait en sous-marin, alors que on a déjà quelqu'un ou on parle déjà à quelqu'un, va changer de comportement avec ce genre de personne. Oui. Ah ben oui. Et va se dire. Après, ça peut être des hommes et des femmes aussi qui voulaient voir de quoi étaient capables ces hommes et ces femmes. Parce que c'est pas forcément dit qu'ils veulent faire quelque chose au grand jour avec eux. Il y en a certains peut-être qui se sont dit, ah ben tiens, je vais voir, par exemple, de quoi ces hommes et ces femmes sont capables de faire. Jusqu'à où ils sont capables d'aller. D'accord. Parce que c'est pas forcément non plus que on ait envie d'être en couple avec eux. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Bon. C'est ce genre d'hommes et de femmes qui n'arrivent pas à avoir une relation. C'est toujours un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non. Mais, c'est pas pour ça que, bon, il y a des choses bon, qui se font pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, déjà, au niveau de ces personnes qui font des choses bizarres, oui. Alors déjà, tout ce qui est Capricorne, Verseau, Poisson, s'il y a un truc un peu bizarre en dessous de table, moi, je pense pas qu'ils vont se mettre en couple avec eux, non. Ça sera avec quelqu'un d'autre, mais pas avec eux. Pas avec ce genre d'homme ou de femme, non. Alors pour moi, c'est un non. Ça sera avec quelqu'un. Oui, mais pas avec eux ou elle. Que ça soit homme ou femme, ok. En plus de ça, oh putain. Moi, déjà, je vois des Capricornes, Verseau, Poissons. Je vois un amour très très fort. Un lien très très fort. Que ça soit dans le présent ou le futur. Tout dépend si tu connais ou pas encore. Et que par rapport à ça, on va pas mettre en danger ce genre de truc en dessous de table. Des gens que tu connaisses ou pas encore. Par contre, s'il y a eu des choses bizarres, homme ou femme qui a essayé d'accrocher quelqu'un, si jamais tu l'apprends vis-à-vis de cette personne, je pense qu'il va y avoir un gros malaise par exemple. Ouais, moi je pense. C'est vraiment ce genre homme ou femme, putain, qui voit des âmes sœurs, des flammes jumelles partout. Ah oui, ah oui, oui. Alors là, que ça soit Bernadette, Claudette, François, Paul, s'en fout. Hein. Ah oui, hein. Tant que. Non, mais ça, c'est pas de l'amour, ça. Non. Ils veulent aussi trop briller, trop être en lumière, mais en écrasant les autres, bien entendu. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Ce genre d'homme et de femme qui veut trop
trop écraser les autres, et en plus qui fait du mal à d'autres personnes sentimentalement, ils en ont rien à foutre. Donc ce genre d'homme et de nana qui, toujours en plus, est en constante rivalité avec d'autres personnes en plus, qui ont déjà quelqu'un et qu'ils essayent des fois même de te le piquer, non, ça c'est pas possible. Alors, je peux bien comprendre que en tant qu'homme ou femme, tu as envie d'avoir quelqu'un. Oui, c'est tout à fait normal. Mais le problème de ces hommes et de ces femmes, c'est que ils vont bien souvent chercher, par exemple, si tu as déjà quelqu'un, oh putain, à chaque fois, ils vont vouloir, par exemple, l'homme ou la femme que tu veux. Alors, je peux bien comprendre que ces hommes et ces femmes aient envie, eux aussi, hein, d'avoir quelqu'un, mais tu touches pas quand, si par exemple la personne a déjà des vues sur quelqu'un, ou si on est amoureux de quelqu'un, bah touche, parce que ça ne se fait pas, d'accord? Non, en plus ce genre d'homme et de femme, peu importe, hein, je te dis peu importe qui c'est, ah peu importe, hein, pratiquement, hein. Ah oui, ah, parce que là on a une femme. Bon, après, ça peut être un homme. Mais ce genre de mec ou de nana, s'en fout. Ah oui, ça passe d'un à l'autre. Si l'autre, on ne sait jamais, il revient. Autant l'autre, tu lui dis, ah, vas-y, dégage. Vous voyez, c'est vraiment ce genre. Mais en fait, le premier, par exemple, la première qui lui dira à l'homme ou la femme, oh ben, ok, on vient ensemble. Ou ok, je t'épouse. Allez, hop. Mais est-ce que ça, c'est de l'amour? Non, c'est pas de l'amour, ça. Non. Ils misent sur tous les chevaux qui passent, ou toutes les gazelles, ou toutes les juments. Eh ben non. Donc ça veut dire que si par exemple, il y a un cancer, et puis que d'un coup il y a un lion qui revient, tu zappes par exemple la vierge, ou des choses comme ça, ou même Capricorne, Verseau, Poisson. Donc en fait, on s'adapte selon comment ça se passe. C'est ça. Ça, c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour, ça. Je suis désolé. Ce genre d'homme ou de femme n'aime pas, c'est pas vrai. Ben, tu passes pas comme ça, c'est pas possible. Ben non. Tu as vu ça, toi, hein? Ils sont ouverts à tout. Ben non, c'est pas bon. Je sais pas. Ah, et qu'il y en a, ça, putain, ils vont le sentir. Ah, je te le dis. Ils vont sentir qu'il y a ce truc-là de cet homme ou de cette femme, allez, qui souffle tout ce qui passe. Allez, c'est bon. Ah oui. Et, mais par contre, ça ne pense pas un instant que, par exemple, ben, on est, parce que ce genre de mec ou de nana, si par exemple tu es en relation toi avec un mec ou une fille, ça me bat les steaks, hein. Ah, rien à foutre, hein. Ah ben oui, parce que tant qu'eux ont quelqu'un, même si avec toi on coupe, ils en ont rien à foutre. Donc c'est quoi ça? C'est quoi ce genre d'homme et de femme? Parce que si c'est à eux ou à elles par exemple qu'on leur faisait, comment ils le prendraient? Ah ben oui, c'est ça le truc. C'est ça qu'il faut se demander. Dans l'inversion, comment eux, ils le prendraient. Attention au retour du karma. Attention. Alors là, on a des balances, des scorpions et des sagittaires. Ok? C'est pas possible. C'est comme si ces mecs et ces nanas, n'importe qui, limite, alors. Hein? N'importe qui, hein, vas-y. Ben, ma foi, en vue de ce que je vois, oui, hein. Okay. En vue de ce que je vois, oui. Hein. Ça, c'est des instables, ça. C'est des instables, ça, ces hommes et ces femmes. Ça saute sur tout ce qui bouge tant qu'ils obtiennent ce qu'ils désirent. Donc, ça va pas. Ça peut pas marcher. En réalité, ils aiment pas. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, ils aiment pas. Ils sont jamais amoureux. Non. Moi, c'est pas de l'amour, je suis désolé.
Et que si par exemple tu connais quelqu'un, autant va savoir si à cause de ce genre de personne, on ne sait pas ou qu'on ne va pas s'éloigner de toi aussi. Hein, bon. Non, parce qu'ils font du mal, ces gens-là. Mais le pire, c'est que c'est des hommes et des femmes qui n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ah non, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'en plus, si par exemple un autre revient, il te zappe. Hein. Ah, il te zappe. Hein. Ah, ben oui, pour l'autre. Ça, tu peux être sûr. Hein. Donc pour moi, ce genre d'homme et de femme s'adapte. Hein. Ah, s'adapte. Hein. C'est pas de l'amour. Hein. Non, non, c'est pas de l'amour, ça. C'est des hommes et des femmes qui peuvent pas rester seuls, ok, qui ont des problèmes affectifs, et ils ont des obsessions. C'est-à-dire que il faut absolument qu'ils soient en couple. Mais ça, c'est pas de l'amour. Hein. Non, 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 c'est pas de l'amour. Hein. Moi, je suis désolé. Ils aiment tout le monde. Écoutez, ils aiment tout le monde, ces hommes et ces femmes. Donc, dès que ça va plus avec un, hop, boum, allez. Et si l'autre, par exemple, il revient, hop, ils vont dire à l'autre, non, mais c'est bon, c'est fini. Donc, c'est quoi ces hommes et ces femmes, avec leur soi-disant, putain, je m'attendais pas à tomber à... Mais ils aiment pas, c'est pas vrai. Ce genre de mec, de nana, ils aiment tout le monde. Tant qu'ils arrivent à vivre avec quelqu'un, ou à se paxer, ou à se marier... Ils pensent qu'à eux, et c'est des égoïstes, mais grave. Hein. Non, c'est pas de l'amour, ça. Et attention, à cause d'eux, je te le dis, à cause de ces hommes et de ces femmes, tu as pu déjà, oui, déjà, avoir des épreuves à cause de ce genre d'hommes et de femmes, oui, des grosses difficultés déjà. Au niveau de ton parcours sentimental. Parce que autant, tu vas même pas te douter, mais proche de toi, tu as quelqu'un qui te cause que des problèmes. Ah ben ça, on va savoir. Écoute, moi, on me parle vraiment de ça. De ces, par exemple, toi, à chaque fois, tu as des problèmes à cause d'un homme ou d'une femme qui, à chaque fois, veut écoutez, même autant... drague à chaque fois quelqu'un que tu veux. C'est pas interdit. C'est pas possible, tu vois. Et toi, par exemple, en tant que femme ou homme, tu n'es pas comme ça. Tu ferais jamais dans le sens inverse ça, par exemple, à quelqu'un. Mais il y en a que si. Et le problème, c'est que à un moment donné, tu vas réfléchir et tu vas te dire, putain, c'est pas possible. Je te le dis. Tu vas te dire c'est pas possible. C'est pas possible. Je te le dis, il y en a, ils ont des mecs, des âmes sœurs partout. Hein. Ah moi je te le dis. Il y en a, ils cherchent la stabilité avec n'importe qui. Hein. N'importe qui, hein, pratiquement. Hein. Parce que toi aussi, à mon avis, tu as dû souffrir, hein, tu as dû avoir des séparations avec homme ou femme, toi aussi tu as eu des épreuves familiales, etc. Et ce genre de personnes ne pensent qu'à eux. Voilà. Ce genre d'homme ou de femme, c'est des pleurnichards, et que... Ils pensent qu'à leur petite vie, à eux, ils ont beaucoup souffert, mais les autres, ils n'ont pas souffert, tu vois. Ah non, les autres hommes en face, et femmes, non, eux, ils n'ont pas souffert comme eux. Hein. Ah ben non, ben non. Ah ben non, non. Il n'y a que qui, dans la vie, ont souffert, tu vois. Il n'y a que. Ah, bon. Sauf que, bon, ben, vous surmontez ça, vous n'êtes pas... des gens à pleurnicher toute votre vie. Hein? S'il y a eu des séparations,
s'il y a eu des problèmes familiales ou même des problèmes avec des amis, peu importe. Non, vous ne pleurez pas toute votre vie comme certains hommes et femmes. Voilà la différence. Hein? Vous essayez d'avancer, tu vois. Hein, d'être, vous êtes équilibré. Pas comme certains hommes et femmes. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ben, à un moment donné, bon, hein. Je sais pas, à un moment donné, et alors je vois ce monsieur, par exemple, lui. Lui, toi. Et je mettrai pas ma main à couper, que vous avez eu tous les deux une vie très difficile, tous les deux. Par exemple, tu as des soucis, des épreuves avec lui, ah ben ça c'est bien, je pense, à cause de ce genre de meuf, de fille. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Qui a décidé, genre, de changer sa vie. Voilà. Mais ce genre de... Enfin, que ça soit mec ou nana, ça va n'importe qui, quoi, en fait. Un coup un coup l'autre, ah je sais pas, attends, il faut que je réfléchisse, attends, je sais pas, mais tu comprends, c'est compliqué, c'est des malades, c'est des hommes et des femmes, ça va pas. Bon, alors, on dit, pour toi et ce monsieur, on dit qu'il y a une, vous êtes très protégés tous les deux, il y a une, vous allez être appuyés, pour sortir de, ben, des épreuves, en fait. Moi, je vois pas de séparation entre vous deux, ok. En plus, lui, je pense que, je sais pas, il y en a un des deux qui va s'éloigner ou qui s'est éloigné, qui a dû comprendre des choses assez strange, ok. Que s'il y a tous ces problèmes, c'est à cause d'un homme ou de femme qui n'arrête pas toujours d'aller voir ce que les autres veulent. Bon, quelque chose comme ça. Hein. Toi, tout ça, bon, ça a beaucoup de peine, ok. Ouais, beaucoup de peine. Je vois un choix qui arrive dans toi parce que bon, tout ça, ben, ça va te saouler, ok. Il y a un choix qui va être fait. Ce monsieur, par rapport à toi, va faire un choix. Hein. Un choix en son âme et conscience, ok. Donc je pense qu'il y a de la communication qui arrivera, etc. Je vois pas de coupure. Hein. Mais je pense que toi, tu vas te poser de graves questions, hein, concernant une autre femme ou un homme, ok. Moi, je te le dis. Hein. Bon, bah écoutez, moi je vois quelqu'un qui veut n'importe qui. Voilà, écoutez, moi je vois une femme ou un homme, un coup. Non, c'est ça, c'est pas de l'amour, ça. Non, ça cherche pas. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas possible. C'est... Par contre, lui et toi, oui. Mais là, ce que je vois en face, c'est pas vrai. C'est pas de l'amour. Par contre, moi, entre toi et lui, oui, il y a une forte attraction. C'est quelque chose d'inconditionnel. Même si, par exemple, je vois pas, même s'il y a des hauts et des bas, je vois que malgré tout, tu es toujours là pour lui, comme lui est là pour toi, tu vois. Je vois pas de coupure, etc., entre ce monsieur et toi, tu vois. Et même parfois, si par exemple, ah, je te parle plus, allez, j'en ai marre, tu es là, comme lui, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, malgré les doutes, malgré tout. Et ça, c'est de l'amour, tu vois. Même si ça va pas, s'il n'est pas bien, tu es là. Si par exemple, toi, tu veux lui parler, il est là, tu vois. Et ça, c'est béton. Le reste, ce que je vois d'autre côté, c'est caca pourri, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ben malheureusement, c'est ces hommes et ces femmes qui ne savent pas ce que c'est réellement aimer. Hein, tu vois, peu importe, par exemple, lui, il n'est pas prêt à vivre avec toi. Bon, ben, c'est, peut-être ça te fait chier, mais tu es là, ou tu seras là encore quand il t'écrit. Tu vois, les autres femmes, c'est pas pareil, tu vois.
Ouais, moi je veux ça maintenant, je veux... Toi tu es là et tu seras encore là parce que toi tu l'aimes réellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est toute la différence de certaines femmes et de certains hommes. Tu vois? C'est, même si tu te poses des tas de questions sur lui ou elle, tu seras encore là parce que tu l'aimes vraiment. Et en plus, je vois pas du tout. Moi. Moi, je pense que toi, tu l'aimes énormément, lui, tu vois. Et peu importe ce qui se passera, tu seras là. Et même si, par exemple, tu dis, j'en ai marre, allez, j'ai plus envie de te... T'écris, tu réponds. Alors, c'est vrai que des fois, tu vas te dire, ah, je m'en fous, je parle plus, c'est bon, j'en ai marre. Mais tu es là, parce que tu l'aimes, et que tu l'aimes vraiment, et que tellement que tu l'aimes, bah, tu peux pas t'empêcher de lui parler. Tu vois? Tandis que ces autres, ce genre d'autres mecs de nana, c'est pas ça. Ils s'adaptent selon qui c'est. Ça, c'est pas de l'amour. Je suis désolée. C'est tout. Voilà. C'est superficiel et ça passe. Je dis, j'ai les mecs aussi. Bah, les mecs qui sont comme ça. Hein. En plus, ces nanas. Elles sont pareilles. Hein. Je te dis, il y a les nanas qui aiment vraiment. Hein. Puis il y a les nanas qui passent un coup lui. Ah, ça va pas avec lui, c'est compliqué. Mais le problème, c'est que les mecs superficiels, c'est bizarre. Il y en a, ils s'attirent. Et c'est bzop. Voilà. Moi, je te le dis. C'est ce genre, par exemple, de fille. Un coup elle aime, un coup elle aime plus. Un coup elle aime, un coup elle aime plus. Un il repart, il revient, hop, elle retourne avec. Et des fois au milieu, il va se retrouver un mec bien au milieu de tout ça, tu vois. En plus, en lien avec toi. Qui lui se fait, si tu veux, alpaguer par ce genre de gonzesse. Hein. Je te le dis, c'est des filles pas intéressantes. Parce que un coup c'est lui, un coup c'est l'autre, un coup c'est lui, un coup, c'est ça l'amour. C'est ça. C'est des filles rusées, malignes, qui n'aiment pas, c'est pas vrai. Non, parce que tu peux pas un jour aimer un jour aimer l'autre. Mais je vois que ça. Et il y a des mecs aussi comme ça. Ok. À un moment donné, Donc, écoutez. Et moi, écoutez, les balances, scorpions, sagittaires, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi, par exemple, il y a de l'isolement, pourquoi il y a de la non-communication. Il faut réfléchir à certaines choses, à vos choix, vos décisions, ce que vous voulez pas, etc. Ou ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Quant au bélier taureau gémeaux, c'est la même chose. Hein, il faut réfléchir hein, vraiment à ce que vous voulez, à ce que vous voulez pas en amour. Hein. Je sais pas, il y a des choses qui vont pas. Puis, par exemple, si... vous voyez qu'on ne vous répond pas. Si vous voyez qu'il n'y a plus de communication, c'est pas la peine d'insister. C'est que l'homme ou la femme a déjà fait un choix. Déjà. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas de retour de l'homme ou de la femme, c'est que il a choisi quelqu'un d'autre, c'est sûr. Quelqu'un d'ailleurs, à mon avis, qu'on aime vraiment beaucoup. Okay. Donc voilà, c'est... Après, c'est clair que... moi j'ai l'impression que les balances scorpions, sagittaires, eux veulent du long terme. Hein, il n'est pas question de choses courtes, en tout cas pour certains.
Après, il y en a, c'est trop, les va-et-vient, les machines comme ça peut pas aller. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Et vas-y que là, ça trompe, hein, et vas-y que ça. Non, c'est pas ça l'amour. Non, c'est pas ça l'amour. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question. Hein. Okay. Donc voilà, allez, je vous fais plein de bibis, bye bye.